Le trésor ultime est dans le sol, regardez. Il y a un X, il y a un X, il faut creuser. On creuse, on creuse. Bonjour à tous et à toutes, c'est Fugiel, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir la dernière mise à jour Fortnite, qui voit l'ajout de ce que j'avais d'ailleurs supposé, bon on était nombreux à avoir deviné, à savoir l'ajout des coffres au trésor, et donc des cartes au trésor, qui vont nous permettre de trouver ces fameux coffres cachés sur la map, il faudra les miner avec une pioche pour les récupérer, et il y aura systématiquement des loots légendaires à l'intérieur. Donc la chasse au trésor commence les amis, on va rejoindre une game et essayer de du coup déterrer notre premier trésor. Et nous voici du coup en jeu. Alors apparemment, les cartes au trésor, on peut les trouver soit dans les coffres, on peut même les trouver par terre finalement. Donc ce que je vous propose, c'est de... On va sauter un petit peu au hasard, j'ai pas vraiment de destination en tête. Voilà, me voici du coup à Pleasant Park. On va essayer de trouver une carte au trésor quelque part par ici. J'imagine qu'on a tout autant de chances d'en trouver une ici que n'importe où finalement. En tout cas, pour l'instant, on a un petit peu de soin. Donc ça c'est cool, on va se looter bien sûr aussi, histoire de ne pas mourir tout de suite. Hein. Un bon chasseur de trésors, c'est protéger un petit peu ses arrières, parce que forcément... On n'est pas les seuls à chercher des trésors aujourd'hui. Ça risque de se bagarrer autour de ces petits trésors. Waouh, j'entends des tirs par là-bas. À mon avis... Ouais, il se passe des choses là-bas dans la maison. Oh, attendez, on va prendre ça et on va aller jeter un petit coup d'œil. On va aller jeter un petit coup d'œil dans cette maison pendant que tout le monde s'entretue. Je pense que le kill... Oh lolo, ouais, ça se tire dessus. Allez, on va foncer. Avec un petit peu de chance, il y a un dégât là-bas qui a peut-être une carte au trésor sur lui. Hop là, c'est fait, magnifique, une belle élimination dans les règles de l'art. Alors, est-ce qu'il y a une carte au trésor à trouver quelque part dans le coin? Donc lui, il venait de faire son kill, quelqu'un était mort ici, apparemment... Oh mais c'est tout récent ça, par contre, attendez, il se passe un truc là-haut. Ok, apparemment personne n'avait de carte au trésor ici, mais il y a peut-être quelqu'un qui est en train de chercher un trésor là-haut, parce que je vois pas du tout pourquoi quelqu'un irait là-haut sinon, c'est un peu étonnant. Alors, où est la personne qui a construit ça? Bon, c'est du métal, ça veut dire qu'il est passé par là, il y a genre... 30 secondes, je dirais. Il doit pas quand même être très loin. Il est repassé par là, c'est encore en métal. Je ne le vois pas pour l'instant. Ah, si, si, regardez, il est passé par là aussi. Ok, à mon avis, il est au niveau soit d'Hunted Hill, soit au niveau des petites maisons par là. Ça sent le trésor, là, ça sent le trésor. Alors, elle a bien changé, dites-moi, cette maison-là. Je savais pas qu'elle avait été détruite par le tremblement de terre. Ok, on a un joli sniper. Je vais le prendre. On a des petites potions aussi, je vais les ramasser. Magnifique. Donc tout ça c'est très bien. On a un bon petit stuff là. Il nous reste plus qu'à trouver la carte au trésor finalement maintenant. Normalement il y en a plusieurs sur la... Il doit y en avoir plusieurs hein, des cartes au trésor. Je pense pas qu'il y en ait qu'une seule. Ce qui veut dire qu'il y a forcément plusieurs trésors dans une seule et même game. Ouais ouais, elle a carrément changé cette zone. Du coup il y a des coffres en plus j'ai l'impression. Avec, ok, des petites grenades fumigènes. Bon ça m'intéresse pas trop, je prends les balles par contre. J'entends même un autre coffre. Sûrement. Wop hop 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 hop, c'est pas passé loin ça. Ok, le mec est au-dessus. J'ai un petit peu paniqué. J'ai un petit peu paniqué contre lui. J'avoue que la façon dont il a construit et le fait d'utiliser juste ma petite mitraille contre lui, c'était pas facile. On l'a eu. On l'a eu, écoutez, super. Donc c'était le gars qu'on cherchait. Mais malheureusement, il n'avait pas de carte au trésor. J'espère par contre, je crois pas avoir ouvert le coffre qu'il y avait dans le toit. J'espère qu'on va en trouver une là-dedans. Ah, toujours pas. Mais c'est rare, j'ai l'impression, ces cartes au trésor. C'est plutôt rare. Bon, on a encore le temps, hein. La game n'est pas finie. Bon, les cimetières, c'est souvent là qu'on trouve des trésors, non? Dans les tombes et tout ça, en fouillant les tombes. Moi, j'y crois. Je pense qu'on va trouver une carte au trésor quelque part dans ce cimetière. En plus, il n'a pas été looté. Ah, à chaque fois, je vois un objet légendaire, là, qui sort des coffres. Mais pas du tout, c'est jamais ce que je cherche. C'est jamais la carte au trésor. Mais je crois que ça fait limite un coffre sur deux où je tombe sur un truc légendaire à chaque fois à l'intérieur. C'est assez incroyable. Ah, regardez! Ça y est, on l'a trouvé! Notre première carte au trésor. Comment ça fonctionne, cette histoire? Oh, regardez. Oh, il y a une lumière là-bas. Il faut la garder dans l'inventaire, la carte. Ok, on va aller chercher le trésor. C'est parti, les amis. Nous allons chercher le trésor, on suit la lumière. Est-ce qu'elle est indiquée sur la map? Non, c'est vraiment, faut avoir la carte dans les mains. Faut avoir la carte dans les mains pour que ça brille, vous voyez ça? J'ai ma carte au trésor, en tout cas, je suis plutôt content.
À moi le trésor ultime. J'espère qu'il y aura plus d'un truc légendaire dans le coffre, parce que honnêtement, je viens de laisser un sniper légendaire derrière moi. Donc, il y a intérêt à ce que le contenu du coffre en vaille le détour, finalement. Le trésor est là-bas, les amis. Je vois la lumière du trésor. On fonce! On fonce! On va le récupérer! Regardez, si proche du but. Nous sommes si proches du but. Je suis les petits tracés rouges. J'adore les petits tracés rouges. Bon, ils vont pas très loin, hein, mais j'aime bien la façon dont ils sont modélisés comme ça. Regardez, on est juste à côté. Oh, il est là, dans le sol. Le trésor! Le trésor ultime est dans le sol, regardez. Il y a un X, il faut creuser. On creuse. À moi le trésor, il est là. Oh, oh, fouillez, attention. Wouh, jackpot. Regardez-moi ça, incroyable. Il y avait un fusil d'assaut, il y avait une petite mitraillette, il y avait une gourde également pour se soigner, qu'on va peut-être prendre vu que j'ai perdu mon sniper. Ok, il y avait clairement trois trucs légendaires dans ce coffre au trésor. 3, vous vous rendez compte? Oh, le délire. Bon, eh ben écoutez, c'était plutôt rentable, en effet. Je valide les coffres au trésor, en plus c'est plutôt fun. Il y a une petite prise de risque aussi, lorsqu'on part à la recherche du coup du trésor, puisque forcément, bah, ça prend l'un des emplacements de notre inventaire, donc je trouve que c'est bien pensé. Puis bon, hein, la chasse au trésor, c'est un truc qu'on adore tous, qu'on adorait faire quand on était gamin, par exemple, pour ceux qui ont déjà fait des chasses au trésor, donc là, pouvoir en refaire dans Fortnite... Ça fait plaisir. Bah maintenant le but ça va être... Oh bah tiens, en parlant de trésors, il y en a plein ici. Le but ça va être de remporter cette game finalement avec les trésors que nous venons de récupérer. Oh, il y a une autre carte. Oh c'est... Attendez, c'est pas loin? C'est pas loin. Donc il faut aller par là-bas apparemment. Est-ce qu'on peut récupérer deux trésors dans la même game? Ce serait plutôt cool. Voyons voir, où est-ce que c'est cette fois-ci? Ok, il a été généré un petit peu plus loin. Lui me paraît plus dangereux à récupérer déjà par rapport à sa position, à sa localisation et au nombre de joueurs restants dans la game. Je prends déjà un petit peu plus de risque à aller le chercher, mais écoutez, on va aller le chercher, le but ça va être d'avoir un stuff full légendaire, avec tous les trésors qu'on a trouvés. J'ai pas l'air d'un imbécile à me balader avec ma petite carte dans ma main là, et mon petit fluffy dans le dos. Je suis tellement une cible facile dans cette histoire, mais je sais pas, on est plutôt calme ici, hein. C'est plutôt calme par ici. Les 12 joueurs restants, pour l'instant on les a pas vus. Oh, un lama! Un lama! Mais non mais c'est du délire cette game! Non mais cette game c'est n'importe quoi! C'est n'importe quoi. Allez hop, on a pris le lama, à nous le deuxième trésor maintenant. C'est... J'ai jamais eu autant de stuff dans une game, je ne sais même pas quoi en faire. Attendez, on va quand même récupérer le trésor avant de parler trop vite, mais là, c'est plutôt bien parti. Regardez, ok, le trésor doit être là. Ah, on me tire dessus! Non, vous n'aurez pas mon trésor. Vous n'aurez pas mon trésor. C'est le mien. Oui, je l'ai eu, voilà, c'est bon. On va quand même essayer de défendre notre trésor dans cette histoire. Qui nous a attaqué? Qui a voulu s'emparer de mon trésor? Dénoncez-vous! Je vois personne en plus. Ok, ça tire là-bas. Ça tire à côté. Je ne sais pas qui a voulu s'emparer de mon trésor. Regardez, il y avait encore... Oh bah, il y avait la même chose dans ce trophée. Oh, il y a une petite mitraillette, un fusil d'assaut. C'est à peu près la même chose. Bon, pourquoi pas. Allez, on va se cacher du coup. On va se cacher parce qu'on a récupéré du coup tout ce qu'on voulait dans le trésor. Donc ça, c'est cool. Ah, oh, il y a un mec juste devant là-bas, je l'avais pas vu. Bon, j'ai pas de sniper pour l'avoir. Ah mais ils sont deux, ils sont clairement deux. Ok, touché. Touché encore. Ça fait plutôt mal, parce que là le mec il était plutôt bien, il avait tout son shield. Oh, il va se faire tuer. Hein. Je crois qu'il s'est fait piéger, il y en a un des deux qui s'est fait piéger là-haut. Allez, on va s'écarter un petit peu. Parce que je suis un peu rouillé, donc on va plutôt essayer de jouer stratégique. Et de prendre la bonne position pour remporter cette game. Hop. Et apparemment, il y a quelqu'un au-dessus de nous. Allez, on va pas se laisser avoir, puisque justement, lui a la bonne position là par rapport à nous actuellement. Donc on va se placer. Wouah, il y a quelqu'un juste à côté là. Lui, on peut le faire. Lui, on peut l'avoir. Oh, il y en a un qui est mort. Allez, on va contourner la montagne. Parce que là... Le sniper, voilà, a toujours vision, ce qui est très dangereux. Mais voilà, il pourra pas m'avoir, c'est sûr et certain. On est sur la fin de la game, ça va être très tendu. C'est un petit top 4. Ok, le sniper est là-bas. J'entends un planeur, je sais pas comment c'est possible. Il doit pas être loin, peut-être un peu en dessous. Ok, lui vient de prendre son trampoline. Ok, il y a un mec en place là-bas. Qui est en train de sniper un autre. Et je pense que le dernier, il est juste en dessous, voilà. Exactement ce que je pensais.
Ouh, il a pris cher. Ouh, il a pris très cher. On a les hauteurs, on en profite, on en profite. Oup là. J'avais pas vu la zone qui était déjà si proche. Ok, on a pris quelques dégâts, mais c'est pas la fin du monde. On a toujours les hauteurs. Il a pris tellement cher le gars en dessous. Oh, alors ce coup-là, je sais pas d'où il sort, mais pourquoi pas. Ah, j'ai envie de le faire sortir, hein. Pas possible, mais attendez, le gars qui me tire dessus de là-bas, les dégâts monstres qu'il met, c'est assez incroyable. Ok, faut bouger. Let's go. Coup de pression énorme, pourtant, c'est pas possible qu'il soit tout seul le gars qui me tire dessus. Donc je vous avoue, je ne comprends pas. Alors ils ont changé les dégâts qu'on prend lorsqu'on... Vous voyez, lorsqu'on descend. Donc là, j'ai pas pris de dégâts, ce qui est plutôt cool. Je continue d'avoir un coup de pression énorme de la part de ce gars. Je vous avoue que je suis pas bien. Pas bien du tout. Ça, c'est fait. Et je suis toujours dans la zone. Ce qui m'a permis de me soigner quand même dans cette histoire. Ah, j'ai pas réussi à edit. Ah, et là, c'est là qu'on voit que je suis un peu... C'est là qu'on voit que je suis un peu rouillé, finalement, les amis. Ça me tire dessus, ça me tire dessus. Ah, et c'est raté. Bon, j'ai raté mon coup sur le... sur l'edit, et j'ai été tellement focus. Franchement, je pouvais pas faire grand-chose, hein. J'ai été focus, sûr et certain. Enfin, après, voilà, c'est pas parce que je fais des vidéos ou quoi que ce soit. Ce que j'entends par focus, c'est juste que le gars qui était bien placé, il avait deux cibles sous ses yeux, et c'est clairement sur moi qu'il a décidé de déverser un petit peu sa haine. J'espère, écoutez, que cette petite mise à jour vous a plu. Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial, là, le coup des coffres au trésor qu'on peut trouver, du coup. On peut même en trouver plusieurs dans une sum game. On a vu ça. On va quand même voir comment... se fait le top 1. Ouh là là, mais alors, le mec, il est limite apparu par magie. Je l'ai pas vu, là, il s'est pris une balle de pompe, le pauvre. Prise des hauteurs. Oh là, deuxième balle de pompe. Et il s'est fait atomiser à coup de 3 balles de pompe, finalement. C'était assez serré. C'était une game assez serrée. Ça fait plaisir. C'était sympathique. On n'a pas eu de chance sur la zone aussi, qui était totalement à l'opposé de là où on était. Mais franchement, c'était très très cool. On se retrouve du coup bientôt pour d'autres vidéos Fortnite. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Ciao tout le monde.